Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Star Wars The Old Republic. On est donc tout près de... Je sais pas comment il s'appelle... Talsin File. Je pensais que c'est ça, donc pour la quête de la planète. Donc nous allons bientôt rentrer dans l'instance afin de lui parler. En attendant, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu et bien entendu la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la semaine. par jour sur la semaine, oui. ouais, par jour sur la chaîne. C'est déjà plus français. Allez, c'est parti! Allez, pas contente! Pas contente! Pas contente! Désolé. Vous n'avez pas changé d'avis. C'est votre deuxième avertissement. Bon voyage. Vous aussi. J'espère que vous passerez un bon voyage également. La navette vous attend. Merci, Excellence. Quelle pagaille. Mais on dirait qu'ils ont fait plus de bruit que de mal. Ils n'ont pas détruit grand-chose. Alors, comment se passe le rituel? Vous avez découvert ce dont vous aviez besoin? Je touche au but. Je dois trouver un Gormak. Dites-moi ce que vous pouvez. Je m'intéresse aux Vos depuis 20 ans et je crois avoir compris une ou deux choses. Les terres de cauchemar, je comprends. Mais vous devez trouver un Gormak, marcheur des rêves, et activer une pierre des rêves afin de combattre vos cauchemars? Bah, dit comme ça, ça fait bizarre, faut bien l'avouer. C'est à peu près ça, oui. Peu importe que vous compreniez, vous pouvez m'aider. Écoutez, je suis désolée, je n'arrive pas à me faire à l'idée. Un Gormak, marcheur des rêves, combattant des cauchemars? Qu'est-ce que ça peut être? Un Gormak utilisant la force? Je ne vois pas ce que vous essayez de faire. Et encore moins où trouver la personne capable d'une telle chose. Regardez dans tous ces fichiers. Une telle chose doit certainement apparaître dans vos recherches. Mes recherches portent sur la société Vos, pas sur d'anciens rituels réalisés par des fantômes dans des lieux secrets. Voilà ce que je peux vous dire. Les Gormak détestent les Vos, et ils n'utilisent jamais la force. Ils considèrent les mystiques Vos comme des cauchemars. Et ce qu'ils ont de plus proche des mystiques, ce sont leurs chamans. Point final. À propos de ces chamans. Que voulez-vous dire? Les chamans se rapprochent des mystiques? C'est ça. Ils n'ont pas les pouvoirs des mystiques, mais ce sont des sortes de guides spirituels. Une seconde. Qu'est-ce que c'est? Il existe une obscure légende Gormak sur un chaman qui aurait visité des lieux étranges dans son sommeil. C'est peut-être une fausse piste, mais les chamans ont une pierre de culte au cœur du territoire Gormak. Peut-être que la marche des rêves vous permettra de localiser un autre marcheur. Je suis désolée, je ne peux pas vous aider davantage, Excellence. Cette histoire de force est, disons, malsaine. Et ça se trouve où tout ça? Même environnement, je m'en doutais un peu, mais voilà. On y va. Bien entendu, il y a de nouvelles quêtes à chaque fois. Content de vous voir, Excellence. Je viens de recevoir un rapport important de nos espions. Nous avons découvert un avant-poste Jedi caché dans les falaises, non loin d'ici. Ils ne savent pas encore que nous les avons trouvés. Vous en avez parlé à votre commandant? Ce genre de renseignement est crucial pour les plans de l'Empire. Votre commandant doit en être informé. Il est trop occupé avec les Vos. J'espérais que vous pourriez faire quelque chose. Nous ne sommes pas autorisés à attaquer. Les décideurs estiment qu'on ne doit pas briser cette soi-disant paix. On m'a dit qu'il ne fallait surtout pas contrarier les Vos. Mais les circonstances sont particulières. On doit pouvoir faire quelque chose. Vous voulez briser la paix? Vous me demandez de m'opposer à vos supérieurs. J'espérais que vous pourriez faire ce que moi je ne peux pas faire. Je n'ai pas le droit d'attaquer cette base. Cependant... un site aussi puissant et influent que vous pourrait s'occuper des Jedi sans que les Vos l'apprennent. Eh, il y a du brossage de poils dans le... pour avoir ce qu'on veut, là, mon grand. Attention, attention. Je m'occupe si j'en ai le temps. Je si ne j'ai garantis le temps. Rien. Je comprends. Je ne fais que vous transmettre l'information. Bien sûr, si vous apprenez quoi que ce soit au sujet des activités de ces Jedi, le capitaine Merrill voudra le savoir.
Maintenant, les deux quêtes qu'on voulait faire, hein. Donc il y en a une qui est juste à côté de nous et l'autre qui est un peu plus en dessous. Qui commande ici? J'ai besoin d'informations sur le vaisseau des Gormak. Je suis le chef de cet avant-poste. Je peux vous parler du vaisseau. Mon commandant en second a mené une force d'intervention sur le site de construction, mais ils n'ont pas réussi à franchir ses boucliers. Parlez-moi de ces boucliers. Où sont placés les générateurs de boucliers? Comment sont-ils protégés? Cotaldé, parlez-nous de votre bataille sur le site de construction du vaisseau. Mes commandos ont tenté d'atteindre les générateurs de boucliers. Les Gormak nous attendaient. Ils étaient organisés et dirigés par leur roi, Jokul. Ils étaient trop nombreux et trop bien retranchés. Nous avons dû renoncer. Parlez-moi du vaisseau. Où en sont-ils dans la construction du vaisseau? De quel type d'armement est-il équipé? Le vaisseau est presque terminé. Il sera capable d'attaquer Voska par voie aérienne. Il y a des générateurs tout autour du vaisseau. De nombreux Gormak vont le défendre. Prenez ceci. Une fois le bouclier détruit, placez ces charges sur le vaisseau. Ça l'empêchera d'atteindre les étoiles. Ça par contre c'est vraiment tout en bas. Ok. Bon, on va d'abord aller chercher la quête principale. Hein. La plus proche. Et voilà la zone principale. Parfait. Ah, bordel de moi. Voilà. Et donc c'est au bout. Est-ce qu'on aura des mecs à éliminer? On a en effet des petites monstres. Enfin des petits monstres à éliminer. Voilà. C'est pas dégueulasse, hein. Ah, il y a quand même quelques mecs ici. Va avec les chamans Gormak. Même pas de discussion, hein. Tu dois les liquider. Pouah. Ok, bah. Au revoir. Cyber Sherman, hein, c'est même pas un chaman, c'est un Cyber Sherman. Voilà. Allez, maintenant il est temps de trouver notre marcheur de rêve, Gormak. Long. J'aime bien l'effet autour du. La tête du personnage, c'est toujours cool. On peut remercier juste à côté. Je vois pas de mob dans les environs. En tout cas, chercheur Gormak, marcheur de rêve. Une zone ici, ouais, vraiment la zone est vraiment là. On va grimper. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Adric. Alors jeune homme. Voss, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes corrompu. Vous devez partir ou vous mourrez. À vous de choisir. Corrompu. Que voulez-vous dire? Je suis venu ici pour me faire soigner. Pourtant, vous êtes un mar... Ouais. Les Voss sont la corruption. Leurs cauchemars sont la corruption. Tuez les Voss, tuez les cauchemars. Plus de corruption. Les Gormak n'aident pas les Voss. Ils n'utilisent pas d'étranges pouvoirs de cauchemar. Ils n'utilisent pas la corruption. Pourtant, vous êtes un marcheur des rêves. Aidez-moi, ou je raconte à tous vos amis que vous êtes un marcheur des rêves. Non, ne dites rien. C'est de la corruption. La corruption doit être éliminée. Nous faisons un échange. Je vais vous aider si vous m'aidez.
Un échange. Quel genre d'échange avez-vous en tête? Les Gormak sont de grands guerriers. Pendant des siècles, ils ont tout combattu. Les bêtes, les Vos, eux-mêmes. J'en ai assez de toujours me battre. Les Gormak doivent s'ouvrir à la galaxie, trouver des amis, trouver la paix en dehors de Vos. Les Gormak ont très très peu de vaisseaux. Ils doivent aller chez les Vos pour décoller. Les Vos n'aiment pas ça. Ils nous chassent. Ils nous tuent. Vous devez m'aider en retour. Aidez-moi à terminer mon rituel. Et je vous ferai entrer dans Voska et dans l'espace. Je ne connais pas beaucoup de rituels. Je ne sais pas si je peux aider. Mais si vous m'aidez, je vais essayer. Entendu. Où puis-je vous trouver? Le roi des Gormak est fou. Il veut la guerre, la destruction. Il m'a emprisonné pour avoir dit que je voulais partir de Vos, que je voulais la paix. Retrouvez-moi la pierre de culte. Libérez-moi. Et la pierre de culte. Elle est à la prison de Gormak. Secondes pour méditer. Enfin, vous avez dit une méditation, voilà, ça, c'est normal, ça prend du temps, etc., etc., etc. J'adore toujours cette affaire. Retour à la réalité. Indeed. Ok, et la prison des Gormak se trouve quelque part ici. Ok, ça va. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Voler les plans de défense aux généraux Jedi, qui se trouvent ici. Enfin, c'est la même chose, en fait. Voilà, ça se trouve là exactement. Ce sera le prochain point, mais bon, voilà. C'est... Je suppose que ce sera voler les plans, soit sur les cadavres, soit sur des caisses, donc on peut faire ça à part. Donc nous, on se retrouve vraiment pour cette partie-ci. Eh bien putain, c'est un gros canon, ça. Et vos skates, tu es toujours debout? Eh ben, joli. Et le dernier générateur de bouclier. Voilà. Et maintenant, il faut placer les charges sur le vaisseau. Malheureusement, la quête est buggée. J'ai pu en placer une. Un autre joueur a placé la charge sur une autre porte. Bon, après, j'ai juste attendu que ça se réinitialise. Mais à première vue, même l'autre joueur, il est toujours en train de courir partout. Même en réinitialisant la quête, en faisant l'ensemble des piliers, etc., etc., les portes, on peut plus placer de charge dessus. Je me suis décoroco parce que parfois il y a des petits soucis et ça règle le souci. Ah bah je n'ai rien dit. Faut peut-être attendre 20 millions de temps ou alors c'est moi que... Oui je sais. En vrai ça va pas. Allez. Voilà. Là par contre va falloir attendre. Ouais le temps d'attente est super long en fait. Ah ouais. Bon bah... On se retrouve après. Voilà, j'ai pu placer la deuxième charge. Tout un temps assez long comme prévu. Franchement, le vaisseau, on enlève tout ce qui leur tient, mais le vaisseau n'est pas dégueu, franchement, pour leur premier vaisseau, franchement. Ok, il faudra rendre les quêtes, mais on va surtout aller faire la quête principale. Aller à la prison Gormak. Bon, je suis arrivé au niveau de la prison Gormak. On peut voir ici qu'il y a un mec qui est emprisonné. Il y a beaucoup de chances que ce soit ça. Sinon, encore que. Non, encore que, c'est plus loin en fait. Je n'ai rien dit, c'est là tout au bout, on ne voit rien. Donc je fais le nettoyage et on se retrouve. Et voilà. On peut maintenant sauver la personne. Le Gormak.
Vabakka, Vihutroi, Kwatufulam. Nezofondi, Konakaneva, Eyak, Nanimatan. Vous avez tenu votre promesse, pas comme à Vos. Parlez-moi du rituel. Les Gormak connaissent beaucoup de rituels, mais ils sont différents de ceux de Vos. Il est question d'une pierre. Je suis censé me rendre dans les terres de cauchemar et utiliser une pierre. J'écoute. Ce rituel est étrange. J'ai entendu parler de terre de cauchemar, jamais de la pierre des rêves. Est-ce que la marche des rêves correspond à cet endroit? Ce rituel semble corrompu. Il l'est, peut-être, peut-être. Il est peut-être corrompu, mais j'ai besoin d'être soigné. Merci pour l'avertissement. Et l'avertissement en question, c'est... La Vos doit être très malade. J'ai promis, je ne mens pas. Mais les têtes de cauchemar sont malfaisantes, pleines de corruption. Beaucoup de guerriers ont perdu la raison. Les chamans peuvent se protéger, mais pas longtemps. J'ai bien entendu votre mise en garde, mais j'ai besoin de ce rituel. J'espère que vous vous rendez compte de ce que vous faites. Je n'y comprends rien, mais je veux le faire pour voler dans les étoiles. Vous devez vous protéger des cauchemars. Je vous retrouverai là-bas. Excellence, Rul Jofen, service diplomatique impérial. Athélis Kalis me dit que vous travaillez avec les Gormak. Rien ne peut les empêcher de tirer à vue sur nos hommes, hein? Où voulez-vous en venir? Vous ne m'appelez pas juste pour me féliciter sur mes choix d'alliés. Ah, non, rien ne vous échappe, pas vrai? Quand il s'agit des Gormak, les Vos ne sont pas très compréhensifs. Ils ne nous laisseraient même pas en garder un pour l'étudier ici, à la station. Je vous demande juste de faire attention. Avec les Gormak, on n'est jamais sûr de rien. Merci pour le conseil. J'y penserai, merci. Bonne chance, Excellence. Et merci pour votre temps. Parfait, en plus on level up. Que demande le peuple. Et donc, on doit se rendre où maintenant? Ici. On va d'abord aller rendre toutes les quêtes, hein, quand même. J'ai trouvé ça pendant que je dégageais l'avant-poste Jedi. On dirait une partie de la stratégie défensive des Jedi pour Vos. Je transmets ça immédiatement à mes supérieurs. En trouvant ces plans et en détruisant leur avant-poste, vous avez asséné un sacré coup aux Jedi. Ils seront trop occupés à reconstruire leur base pour mettre leur nez dans notre trêve avec les Vos. Bon travail. J'ai fait ce qu'il fallait faire. N'importe quel citoyen sensé aurait vu que ces Jedi étaient une menace. Ils sont moins dangereux maintenant, grâce à vous. Et maintenant, retournez voir Tel Senfa, donc la quête de la planète. L'explosion a fait trembler le sol. Les Gormak doivent savoir que leur vaisseau ne volera jamais. C'est le moment d'attaquer Jokul, leur chef. J'ai envoyé une équipe d'intervention sur place. Ils vont avoir besoin de votre aide. Jokul s'est replié dans sa forteresse. Il y a emmené une partie de nos soldats blessés. Parlez-moi de cette forteresse. Par quel système de défense est-elle protégée? Combien de Gormak montent la garde? Les Gormak les plus forts protégeront leur roi avec une technologie de pointe et des monstruosités. Le commandant en second Kotaldé vous accompagnera dans la forteresse. Si tu veux. Ah oui, ça se trouve en bas. En effet, ça se trouve en bas. Bah,
Et en plus, on a une quête en plus à prendre. Ou c'est à moins que ce soit terminé la mission, on va vérifier de suite. Terminal de mission. Reçu. Terminal de mission. Alors, c'est rare qu'on ait une mission par là, même pas jamais. On va voir ce que c'est. Feu d'alerte. Ouais. Aux étrangers et alliés potentiels, le commando Ferluda cherche des volontaires courageux. Le commando Voss se bat pour conquérir ses terres, mais les tours de garde Gormak veillent. La guilde des guerriers Gormak et les membres du commando meurent. Proposition. Les volontaires impériaux attaquent les tours de garde Gormak et les enflamment. Le commando verra et frappera les lignes de ravitaillement Gormak. Les Voss sont généreux. Incendiez les Gormak et le commando partagera les richesses auxquelles les étrangers tiennent tant. Bon, voilà. On fera ça. Et ça se passe où? Sur le trajet. Nous ferons ça lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu et bien entendu la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. C'est très important également. À la prochaine. Bye.